Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer trois recettes avec des aubergines. En fait, les aubergines, c'est un légume que j'aime énormément en été. Et donc j'ai trouvé ça sympa de proposer trois recettes différentes pour varier un peu les plaisirs et que vous puissiez avoir des inspirations pour cuisiner ce légume tout au long de l'été. Allez, c'est parti, on commence avec la première recette. Donc pour la première recette, on va réaliser un crumble d'aubergines, basilic et chèvre. Donc pour cette recette, vous aurez besoin de 100 g de farine de blé semi-complète, de 50 g de chapelure, moi j'utilise du flocon d'avoine mixé, de 100 g de beurre, 60 g de parmesan et également donc pour la garniture, 2 aubergines, 2 échalotes ou un oignon, quelques feuilles de basilic, 100 à 150 g de chèvre frais et en épices on va utiliser des herbes de Provence, de l'ail semoule et du paprika ainsi que du sel et du poivre comme toujours. Donc on va commencer tout simplement par laver ces aubergines et également retirer le pédoncule des aubergines. Et ensuite on va les couper en cubes, de façon homogène, en petits cubes. On va également couper l'échalote, on va l'émincer finement, les deux échalotes, mais vous pouvez utiliser un oignon blanc par exemple, si vous préférez. Et ensuite, dans une grande poêle, on va verser environ 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. On va faire chauffer la poêle quelques instants. Et ensuite, on va y ajouter les échalotes ainsi que les aubergines. On mélange un petit peu et on va ensuite ajouter nos épices. Donc on va commencer par l'ail semoule. Mais vous pouvez aussi utiliser de l'ail frais, hein, sans problème, que vous pressez dans un pressail. Moi, j'avais la flemme ce jour-là, donc j'ai utilisé généreusement de l'ail semoule. On va utiliser également des herbes de Provence. Je dirais que j'en mets, je sais pas, 2 belles cuillères à café. Également du sel. Donc moi j'utilise toujours le sel marin Herbamar que j'achète en magasin bio. Et du poivre. On va ajouter également le basilic, donc finement comme on dit, ciselé, et on va remuer le tout. Ah oui, j'avais oublié d'ajouter le paprika fumé. En effet, j'ai mis une belle cuillère à café de paprika fumé. Et ensuite, on recouvre et on va laisser cuire une dizaine, voire 15 minutes à feu moyen. Et pendant ce temps-là, on va préparer notre crumble. Pour notre crumble, c'est tout simple. On va mélanger tous les ingrédients d'abord secs. Donc le parmesan, le flocon d'avoine mixé et la farine. Et ensuite on va ajouter le beurre et on va tout mélanger en fait à la main pour obtenir une pâte sableuse. Donc moi j'ai utilisé du ghee pour cette pâte, mais je vous conseillerais pas d'utiliser du ghee parce que j'ai trouvé que la pâte n'était pas assez croustillante après cuisson. Donc je vous conseille d'utiliser du beurre simple ou comme moi la dernière fois du Saint-Hubert par exemple. Donc une fois que les aubergines sont bien cuites et bien fondantes, on va les disposer dans un plat à gratin. Ensuite, on va parsemer deux fromages de chèvre frais. En fait, c'est une recette que l'une d'entre vous m'a partagée, qu'elle avait vue sur le magazine Lidl. Et dans le magazine de Lidl, il disait de mettre 150 g de chèvre. Moi, je trouve que ça fait un peu beaucoup, donc je crois que j'en ai mis 75 g. Et ensuite, par-dessus, je rajoute donc ma pâte à crumble. Et donc, c'est parti pour enfourner une trentaine de minutes à 180 degrés. Et voilà, le crumble est prêt au bout de 30 minutes et donc vous pouvez l'accompagner avec une belle salade. Vous pouvez par exemple l'apporter si vous êtes invité à un barbecue cet été. Je trouve que c'est sympa, c'est original et ça change. Et il est absolument divin ce crumble. Vraiment, il faut le tester, c'est absolument délicieux. Pour la seconde recette, on va préparer une tarte à l'aubergine, à la tomate et au thon. Donc pour cette recette, vous aurez besoin de 5 feuilles de brique, d'une boîte de thon au naturel, d'une aubergine, d'une cuillère à café de moutarde à l'ancienne, de 3 tomates, de 2 échalotes ou un oignon, de quelques feuilles de basilic et comme toujours, les épices, herbes de Provence et ail. Donc on fait la même chose que pour la recette précédente, on lave les aubergines et ensuite on les coupe en petits dés, on émince finement l'oignon et on coupe la tomate, les tomates pardon, en rondelles. Champagne and dresses and let's get girly. It's some booze
Ensuite, dans une poêle, on va ajouter un filet d'huile d'olive qu'on va laisser chauffer quelques instants. Et ensuite, on y ajoute tout simplement nos aubergines ainsi que notre échalote finement émincée. Rebelote, on sale et on poivre, on épice, hein, ail, herbe de Provence, tout ça. La même tambouille. On va laisser revenir les aubergines une dizaine de minutes à couvert. Et pendant ce temps-là, on va préparer la pâte à tarte. Donc dans un moule à manquer ou dans un moule à tarte, comme vous voulez, on va venir disposer en fait 5 feuilles de briques. Donc on va les faire au fur et à mesure. Donc on va en disposer d'abord une première, sur laquelle en fait on va tout simplement badigeonner de l'huile d'olive. Donc soit avec un pinceau à pâtisserie, soit avec la main, comme moi, quand on n'est pas équipé, comme moi. On va venir en disposer une seconde. J'ai pas mis à chaque étape de l'huile d'olive, je dirais que j'en ai mis toutes les 2-3 feuilles. Donc encore un petit peu d'huile d'olive, on badigeonne le tout. Et on vient en rajouter encore 2 autres feuilles de briques. C'est une façon originale de préparer une tarte en fait de façon légère et très croustillante. Donc voilà, on badigeonne d'huile d'olive et quand on a fini, eh bien on va venir ajouter dans le fond de la tarte une belle cuillère à café, non je dirais 2 cuillères à café de moutarde à l'ancienne. Et quand les aubergines sont cuites, on les ajoute donc dans le fond de tarte, également la boîte de thon. Et ensuite, les rondelles de tomates. J'ai ajouté encore un petit peu d'herbe de Provence. Et également un petit peu de poivre. Et ensuite, j'ai ajouté un peu de basilic, donc finement ciselé. Et la recette ne mentionnait pas de gruyère, mais moi j'en ai rajouté. En fait, c'est une recette que notre grande sœur diététicienne a partagée avec nous, Isadora et moi. Et en fait, on ne l'avait jamais réalisée encore. Et je trouvais que c'était une façon originale de préparer une tarte avec des feuilles de briques. Isadora a déjà réalisé ce type de tarte, mais moi jamais. Et je trouve ça hyper sympa. Ça change. Et c'est très joli. En plus, ça fait une forme de fleur. Donc vous enfournez la tarte 20 minutes à 180 degrés et c'est vraiment une tarte absolument délicieuse, croustillante, vraiment trop bonne. Et ce soir-là, je l'avais embarquée chez une amie qui m'avait invitée à dîner. Je trouve que c'est un super plat à ramener quand vous êtes invité cet été pour des apéros, pour des dîners. C'est une superbe entrée ou un plat accompagné d'une bonne salade ou d'une grillade. Je trouve ça vraiment top et absolument délicieux. On a tous aimé vraiment. Pour la troisième et dernière recette, on va préparer un caviar d'aubergine. Alors ça, c'est une recette vraiment extrêmement simple. Pour cette recette, vous aurez besoin de 2 aubergines, de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, de jus d'un demi-citron, de quelques feuilles de basilic, d'une gousse d'ail et d'herbe de Provence. Donc on commence à nouveau par laver son aubergine et là, on va la couper en deux. Donc moi, je vais la faire cuire au four, mais vous pouvez tout à fait la faire cuire à la vapeur ou au micro-ondes, hein, si vous n'avez pas de four, sans problème. Donc moi, je vais venir déposer mes aubergines sur une plaque de cuisson recouverte d'un tapis cuisson. Mais vous pouvez la couper en petits dés et la mettre dans un cuit-vapeur, par exemple, sans problème. Je vais badigeonner un petit peu les aubergines d'huile d'olive à nouveau. Et ensuite, je vais en fait faire des entailles dans l'aubergine. Je vais faire un petit quadrillage pour pouvoir mettre dans les petites entailles l'ail que j'ai coupé finement en fait. Ça ajoute un petit goût sympa à l'aubergine. Je préfère parce que dans les recettes que j'ai vues de caviar d'aubergine, ils ajoutaient souvent l'ail cru dans la préparation. Moi, je préfère qu'il soit un petit peu cuit. C'est plus digeste, je trouve. Donc voilà, on entaille et puis on dispose tous les petits morceaux d'ail dans les trous, dans les orifices de l'aubergine. Et ensuite, on enfourne une demi-heure à 180 degrés. Donc une fois que les aubergines sont cuites, il suffit tout simplement de prélever la chair et de la disposer dans un blender ou dans votre mixeur, peu importe. Si vous n'avez pas de blender ni de mixeur, ce n'est pas grave. Vous utilisez une fourchette ou un presse-purée et vous mixez en fait, voilà, vous écrasez tout simplement. Pas de panique.
Ensuite, dans le blender, on va ajouter une cuillère à café d'herbe de Provence, quelques feuilles de basilic, j'en ai ajouté je crois 4, et 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, ainsi que le jus du demi-citron. On blende le tout, pas trop longtemps, il suffit d'obtenir une pâte homogène, mais pas trop longtemps, sinon ça va devenir un peu visqueux l'aubergine, j'aime pas trop. Et ensuite, bah, il reste plus qu'à verser la préparation, et moi j'aime bien la conserver au frais d'abord avant dégustation, parce que je trouve que le caviar d'aubergine c'est meilleur, bien frais. Et ensuite, bah, vous accompagnez ça avec votre apéro, des petits bâtonnets de carottes par exemple, des tomates cerises, des concombres, ou même sur des tartines de pain grillé, sur des fonds de tarte. C'est vraiment une tuerie les amis, c'est une recette que je valide mais à 1500%, qui est très fraîche, qui est délicieuse. Donc voilà pour ces 3 recettes à base d'aubergines. J'espère qu'elles vous auront plu, qu'elles vous auront donné de l'inspiration pour cuisiner ce légume que vous allez trouver sur vos étals de marché tout l'été et qui est absolument délicieux, riche en bienfaits pour la santé parce qu'il est riche en antioxydants. Franchement, il est très très bon. Donc n'hésitez pas à en faire une cure. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. En attendant, eh bien, à plus.